Ouais, le bruit. Voilà. Maintenant, nous, trépied, ouais, comme il y a, maintenant, on m'a mis, mais non, mon bruit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour saluer la belle. Thank you.
Merci, merci. Nous vous prions humblement de vous rasseoir et nous demandons à toute personne de pouvoir prendre paisiblement place pour une suite harmonieuse de notre programme. Merci. Alors, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Et en même temps, nous courons derrière le temps pour être en phase avec notre programme. Je vais devoir inviter un des serviteurs de Jésus-Christ qui est parmi nous, la personne de notre bien-aimé frère Gabriel Lukanda, pour une brève exhortation des circonstances. Frère Gabriel Lukanda. Si frère Fortuna, Lindo ou bien Hugues Lubuma, l'un d'eux là, il peut s'approcher pour voir faire le service avec notre frère. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je voudrais lire ce passage de Chroniques, de Corinthiens, sur le premier chapitre. Nous savons que Dieu a déjà pris la décision de la mort. Il n'y a aucune stratégie que les hommes peuvent monter pour arrêter cette décision. Et la Bible nous montre que c'est notre Dieu qui fait vivre et c'est notre Dieu qui fait mourir. Nous constatons dans certaines familles, quand il y a un cas de décès, les gens font leurs analyses. Ils disent que s'il est mort, c'est à cause de ceci, de cela. C'est telle personne qui a fait qu'il meurt. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui console dans toutes nos afflictions. Notre Dieu, comme nous l'avons lu là, il est le Père de miséricorde. Que le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, puisse consoler nos cœurs. Et que la paix soit avec nous tous. Vous devez savoir, frères et sœurs, comme déjà je l'ai dit là, la Bible dit que c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. David pouvait dire que quand j'étais une masse informe dans le centre de ma mère, que Dieu me voyait, les yeux de Dieu le voyaient. Il dit, et dans ton livre, était déjà inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui peut enlever au Dieu même un seul jour, même une heure. Le jour que Dieu m'a destiné, même l'ennemi Satan n'a aucun pouvoir sur ça. Soyez en paix. Sachez que c'est Dieu qui fait vivre, c'est Dieu qui fait mourir. Notre Dieu a fait vivre le bombe pendant toutes ces années. Vous pouvez passer par des accidents, par des maladies, mais Dieu l'a gardé. Après, Dieu l'a repris. Dieu qui nous a donné Bob, c'est lui qui l'a repris. Que toute la gloire lui revienne. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Le désir profond de mon cœur est que notre Dieu, qui est le Père de miséricorde, Dieu de toute consolation, puisse consoler nos cœurs dans cette affliction. Je vous rappelle encore ceci. Personne ne peut empêcher la mort. Quand Dieu a décidé que la mort arrive et doit arriver, mais ce qui doit nous préoccuper, s'il arrive que je meurs, que je sois au nombre des morts en Christ, il faut que déjà maintenant là, vous vous retrouviez en Christ. Et ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Vous allez vous retrouver en Christ. Christ aussi sera en vous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous console dans cette affliction. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous répandons ainsi nos âmes devant notre Dieu. Le Seigneur pour la conduite
tête de l'horizon funèbre. Alors, pour aller ainsi vite, en attendant qu'on apprête le texte d'horizon funèbre, je demande au représentant légal Baudouin, qui est avec nous, à venir rendre un témoignage appuyé. Lui, il est vraiment le représentant de papa Jeff Ilunga, donc le représentant de la famille. Révérend Baudouin, vous avez la parole. Je vous bénisse. C'est juste ce qu'on vient de l'annoncer. Moi, je suis le petit frère de Jeff Ilunga. Je sais très bien que le moment que Bob peut rendre âme, quand son père était présent, il a beaucoup souffert. Mais Dieu nous a fait grâce. Quand Dieu nous a fait grâce, mais l'État est toujours là. C'est pour cela. C'est un témoignage, mais je dois d'abord ressortir la famille. Mais ce n'est pas facile. Parce que tu savais très bien que Dieu lui-même a appelé Moïse. Il a marché avec Moïse, mais après, Moïse est mort. Tout le monde ne savait pas le temps et les jours et les secondes que Moïse était mort. Mais Dieu lui-même était venu voir Josué pour dire à Josué que Josué, maintenant mon serviteur est mort, faut prendre courage. C'est pour cela que je sorte sur la famille qui m'entoure. Ce n'est pas facile. Mais maintenant, on doit prendre courage. Parce que Bob est déjà parti. Bob ne doit pas encore rentrer. Ce que je connais dans ma famille, Bob était social. Moi, je reste à la machine. Mais Bob ne peut pas faire 3 semaines sans venir me rendre visite. Si je peux tomber malade, Bob connaît qu'aujourd'hui mon père est malade. Si j'ai un problème, Bob connaît. Mais c'est pour cela que je plaire Bob en Christ. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour cela que je porte même les amis, même toute ma famille, que nous devons prendre courage. On doit prendre courage parce que même Jésus, quand il était venu, qu'est-ce que Jésus va parler? Jésus a dit, c'est bien que je dois rentrer, je sais pas, parce que chez mon père, il y a beaucoup de places. Je dois préparer vos places. Mais Bob est parti, c'est nous qui devons rendre. Là, Bob est parti. Mais ce n'est pas Bob qui doit aussi rentrer. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Bob est à ma boxe, s'il vous plaît. Bob est à ma boxe, pour le moment, mais ce n'est pas facile, mais c'est facile. Parce que le jour que maman a mis Bob au monde, il était à 2. Mais aujourd'hui, on est combien? C'est pour cela pour montrer que mon trésor Kendekak n'a visé rien. Quand il était susciteur. Mais tout ce que ces témoignages, c'est vrai. Parce que bon, vous voyez, il y a beaucoup de gens. C'est pour vous montrer que Bob était social. S'il n'était pas social, on peut avoir 2 personnes, 3 personnes pour aller enterrer. Mais tout ce que vous-même vous êtes venu, c'est là, chacun de nous a un témoignage sur Bob. En tout cas, je sais très bien que les anges de la Bissonios, j'ai parlé en tant que représentant de la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je dis Amen. Merci, Révérend Baudouin. Je prie que Dieu donne encore une énergie révélée à toute la famille et que la paix continue à régner dans les cœurs. Je ne sais pas si le texte de raison funèbre est prêt. Oui, le texte est prêt. Alors,
qui a été choisi pour la lecture? Ça, courage. Du défunt papa Jeff Kilunga et de maman Chiching Bindou, quatrième de sa famille. Bob était marié à Damaris et de leur union est née Priel, une fille de 5 mois que Bob laisse. Bob était un fervent et un croyant de Dieu plus que tout. Il a vraiment donné sa vie à Dieu. Il était plus souriant, un homme très courageux, très organisé, cherchant le bien de tous, très protecteur, et de surcroît, Bob était un miracle pour sa famille. Il a vécu toute sa vie de miracle en miracle. Bob était l'ami de tous, que ce soit des petits, que ce soit des grands. Il savait vivre avec les gens. Il savait s'entourer des gens. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, étant enfant, nous n'avons que des mots de remerciement à votre égard. Vos marques de sympathie après la disparition de notre frère Bob nous ont profondément touchés. Toute la famille vous remercie sincèrement pour votre présence et vos quelques mots de réconfort dans ces moments difficiles. Il n'existe pas de mots pour vous dire à quel point nous sommes reconnaissants de votre témoignage d'affection. Voilà pourquoi nous rendons grâce au Seigneur pour la vie, pour l'amour et le bonheur passé auprès de notre frère, un grand frère qui était un ami pour tous, et aussi pour le repos éternel qui lui a été accordé. Maranatha. Bien. Donc nous comprenons vraiment combien l'émotion est vive et il y a de quoi. À présent, nous allons passer à une autre étape consacrée au dépôt de gerbes de fleurs. Nous allons y aller d'après l'ordre suivant. Hans, ça va faire bruit. Bien. La famille Jeff Ilunga. Ouais. Donc, dans sa globalité, on me signale que c'est toute la famille Jeff Ilunga, dans sa généralité. Elle est appelée à déposer sa gerbe de fleurs. Donc, les parents, les enfants, les neveux et nièces faisant partie de la grande famille Jeff Ilunga, vous êtes appelés à passer déposer votre gerbe de fleurs. Aucun dénamoi, l'ombango, la sienne, la bine.
suivi de la famille, la grande famille Nguido. Nous assistons au passage et au dépôt de la jeppe de fleurs de la famille Jeff Ilunga, suivi de la grande famille Nguido Tchamwa. Donc, comme nous le disions, d'une manière générale, les parents, les enfants, les neveux, les nièces de la famille Nguido Tchamwa, appelés à déposer la jeppe de fleurs, si possible. Et la famille Nguido sera également suivie de la famille Nguido Nono Honoré Kande pour le dépôt de jeppe de fleurs. Famille Honoré Nguido Nono Kande. Honoré Nguido Nono Kande, suivi de la veuve, on m'a signalé que la veuve a désiré personnellement déposer une gerbe de fleurs au pied de la dépouille mortelle de son défunt mari. À présent, nous appelons la veuve Bob. Notre sœur Damaris Mujinga. Il m'a été signalé également que la famille Kazadi, Denis Kazadi, famille Denis Kazadi, priait à déposer sa jeppe de fleurs.
la famille de Nick Azadi. Suivi de la famille Théodore Kazadi pour dépôt de gerbes de fleurs. Famille Théodore Kazadi, qui n'est pas à confondre avec la famille Denis Kazadi. Nous vous prions instamment à déposer. Nous appelons la belle famille de Patrick Yilonga à procéder au dépôt de Jean-Pierre. Belle famille, Patrick. La belle famille de Patrick, accordez-y le bénéfice de l'urgence. Nous courons derrière le temps, s'il vous plaît. À présent, je vais inviter tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont partagé la vie et la communion fraternelle avec Bob Ilunga de l'Assemblée de Bosengengiri ainsi que toutes les assemblées chrétiennes qui ont connu ce frère à pouvoir se ranger derrière l'église de Dieu de Bosengé pour dépôt de gerbes de fleurs et honneur à rendre à la mémoire de notre frère. L'église de Dieu de Bosengé ainsi que toutes les églises chrétiennes de la ville de Kinshasa dont les membres sont ici présents.
nous voulons revenir à l'ordre normal de dépôt de gerbes de fleurs. Là, c'est supposé que toutes les églises chrétiennes et assemblées sœurs de l'église de Ngiringiri Bosenge sont en train de passer. Et au passage, je remercie humblement la famille d'Axon Kabese pour avoir compris et s'être intégré. Il était prévu que cette famille dépose distinctement sa gerbe de fleurs. Mais ayant entendu l'appel de tous les enfants de Dieu, ils se sont intégrés. Et la famille, je crois, a ainsi déposé sa gerbe de fleurs. Que Dieu bénisse la famille de notre frère Jackson Barbessé. Basi mi bali bana bana kasi akoko zoko pe bana akoko lo zoko ni balo baka tobengi sino e tobengi sino kuya na malango kuti kani kuti na sino na kololo na se ya sanu kwa mwe Les frères et sœurs de Bob, derrière la grande famille de notre maman.
Et pendant qu'ils sont en train de défiler, nous aimerions également appeler la famille Bopé. La famille Bopé, la belle famille. Nous appelons également le cabinet de maître Alexis Tambou-Mamba, tous les membres présents, faisant partie du cabinet de maître Alexis Tambou-Mamba, à bien vouloir passer, déposer sa gerbe de fleurs. Cabinet maître Alexis Tambou-Mamba. Priez à passer déposer votre gerbe de fleurs. Merci. Nous remercions infiniment les représentants de maître Alexis Tambou-Mamba, tout le cabinet, monsieur Ulrich, merci infiniment. Alors, nous demandons également aux collègues de la veuve, notre sœur Damaris Mojinga, venue de la direction de la conservation de la nature du ministère de l'Environnement et Développement Durable, les collègues de madame la veuve Damaris Mojinga, venue pour la circonstance de la direction de la conservation de la nature du ministère de l'Environnement et Développement Durable, a déposé la gerbe de feu. Merci. Collègues et amis de Patrick Kabeya, avec qui il travaille à la Direction générale de migration. Amis et collègues de Patrick Kabeya, membres de la Direction générale de migration DGM, invités à passer déposer votre gerbe de fleurs. Merci d'être venu. Ce vaillant combattant de la foi qui a déposé son âme.
On me signale qu'il y a des voisins, ceux qui ont partagé la vie quotidienne avec le défunt frère Bob dans le quartier ou sur la même avenue. Ils sont ici présents, venus s'incliner sur la mémoire. Donc nous leur demandons de passer, déposer la gerbe de fleurs ou sinon rendre vos derniers hommages à l'illustre disparu Bob. Sinabisete Baninga Bazalani Yamowe de Kombali Bob Aye Afanda Kanabango Esikamoko La Balabala Topena quartier Bazaniawa Bayaki Mpona Kongumbama Kopesa Lokum Baleka Kotika Fololo Nabango Tope Kopesa Losako Yasuka Il n'y a plus de groupe constitué, il n'y a plus de délégation. Je vais demander à toute personne dans l'assistance qui souhaiterait rendre ses derniers hommages à ce vaillant Bob de bien vouloir passer autour du cercueil, parce que après nous n'aurons plus suffisamment de temps, nous allons passer à une autre étape urgente. Donc nous demandons à toute personne sans distinction qui était là ou qui vient d'arriver à bien vouloir passer rendre ses derniers hommages à notre fils, notre frère, ami, et tout ce qu'il a été pour nous. Bob Pinganaï, Hilo. Il m'a été signalé tout à l'heure qu'il y a la famille, donc je dis la famille de frère Toumba Mouké de Moïse, la famille, je ne sais pas si ce sont les enfants, on vient de me signaler, parce que ce sont les enfants, les neveux, les nièces, tous ceux qui viennent dans le prolongement de la famille de Toumba Mouké de Moïse. Ils disent qu'ils ont leur gerbe de fleurs. Est-ce que les membres sont déjà passés? Ils attendent. Mais si, néanmoins, ils sont encore sur la ligne, nous leur demandons de passer, déposer la gerbe de fleurs. On me signale que cela a déjà eu lieu. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a encore les amis, toute la cohorte d'amis de la veuve? Ils sont venus de toutes parts. On vient de le signaler. Les amis de notre soeur, maman Damaris Mojinga. On me dit qu'ils sont là, venus pour la circonstance. Avec ou sans gerbe de fleurs, nous vous invitons à passer, prendre néanmoins vos derniers hommages à l'illustre disparu. Merci. Thank you.
pour donner le temps au temps. Maintenant, je vais devoir donner clairement certaines directives pratiques pour les étapes qui nous restent à parcourir. Donc, informer tout le monde, du moins ceux qui sont désireux d'accompagner le corps au cimetière Kimberley, que deux bus appelés communément Esprit de vie sont là, à la porte de sortie, à la disposition des accompagnateurs de la dépouille. Nous allons y entrer en ordre. Cette discipline qui nous a toujours caractérisé. Ah. Donc, rappelez que le corps, au départ de cet espace cinquantenaire, va se diriger vers le cimetière de Kimberley. Sur la route de Matadi. Voilà, une précision est apportée. Les deux bus ont été apprêtés pour les frères et sœurs en Christ de Bob. Les frères et sœurs en Christ de Bob qui n'ont pas de locomotion personnelle. Priez à prendre part à bord de ces bus, il y en a deux, Esprit de vie, parqués à la porte de sortie de l'espace cinquantenaire. Alors, nous allons partir pour l'inhumation du corps. Nous remercions tout le monde pour être venu, mais je vais devoir avant cela dire que de bien vouloir nous excuser sincèrement. Nous n'allons pas penser à la cérémonie de l'enlèvement des bagues et d'alliance parce que nous le faisons et nous le faisons en accord avec les Saintes Écritures. Il est écrit dans le livre de Romains et ça c'est une parole sortie de la bouche du Dieu Tout-Puissant. La mort, lorsqu'elle intervient, elle sépare deux personnes que Dieu avait unies. Et dès lors que l'un des conjoints est parti, alors la veuve est dégagée du lien. Parce que la loi exerce son pouvoir sur une femme mariée aussi longtemps que le mari de cette femme vit, mais dès lors que le mari est mort, la veuve est dégagée du lien qui est attaché à ce dernier. Et il n'y a pas de cérémonie particulière, mais si on le verra légal protestant pour la compréhension, peut-être qu'il y aura une parole. Ça va être dit dans la suite du temps en famille lorsque nous allons nous retrouver. Donc, comme nous l'avions déjà mentionné tout au long de la cérémonie, après l'enterrement, nous allons tous revenir à l'église de Bosengué. Merveilleux
Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, ton gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, merci parce que tout ce que tu fais est bien fait. Console les âmes, console les cœurs. Accepte par ton esprit que tu puisses consoler tous les cœurs qui sont pris. Les frères venaient, il était très cher à chaque église. Nous l'avons exprimé dans notre présence. Nous te recommandons les âmes à partir du Seigneur Jésus au cimetière et au retour que tu sois au contrôle de tout. Nous te remercions de tout cœur au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Alors, ainsi prend fin la cérémonie et nous allons devoir demander à la sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder à la levée en bonne et due forme de la dépouille. Ainsi, le corbillard étant déjà là, la disposition du cimetière pour l'enterrement. Merci à tout le monde. Nous demandons au Dieu du ciel d'être avec chacun, de vous bénir de toutes les riches bénédictions et bon retour à chacun dans sa demeure. Merci infiniment pour tout et que Dieu vous bénisse. Gardez-moi la place. On vous mettez la place. Thank you.